sais que c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons. À mon commandement, garde à vous. Drapeau des sapeurs-pompiers de Saint-Maximin, avec votre garde, gagnez votre emplacement. Le capitaine Fabrice Bernard, chef du centre d'incendie et de secours de Saint-Maximin, va accueillir les autorités. Les honneurs vont être rendus au drapeau des sapeurs-pompiers de Saint-Maximin. Revue des personnels par les autorités. Monsieur André Caravassou, préfet de l'arrondissement de Brion. Monsieur Yvon Coëfis, représentant Madame Joseph Pons, député du Var-Mer de Brion. Monsieur Sébastien Baulin, vice-président du conseil départemental du Var, maire de Pourriat. Madame Christine Lanfranchi-Bordel, maire de Saint-Maximin. Le capitaine Alain Anastasie, représentant le lieutenant-colonel Selzer, chef du département centre. Le capitaine Fabrice Bernard, chef de centre de sapeurs-pompiers de Saint-Maximin. Pour l'ensemble, repos. Il devait être procédé à des remises de lettres de félicitations pour actes de courage et de dévouement. Lettre remise par Monsieur André Carava, sous-préfet de l'arrondissement de Brignoles. Garde à vous. Les médailles vont être remises par M. Yvon Coëfic, représentant Mme Josette Pons, M. Sébastien Bourlet, vice-président du conseil départemental du Var, maire de Pourriat, ainsi que Mme Christine Lanfranchi-Dorgal, maire de Saint-Maximin. À droite, droite. Deuxième rang, un pas en arrière, marche. Les galons vont être remis par le commandant Didier Trommenschlager, chef du centre de secours principal de Brignoles. Le capitaine Alain Anastasie, groupement centre. Le capitaine Fabrice Bernard, chef de centre des sapeurs-pompiers de Saint-Maximin. Il doit être procédé à des dépôts de gerbes. Avec votre garde, quittez le dispositif. Mesdames et messieurs, la cérémonie est sur le point de se terminer. Le capitaine Fabrice Bernard va faire rompre les rangs. Garde à vous! Rompez les rangs. Les sapeurs-pompiers de Saint-Maximin vous remercient d'avoir assisté à cette cérémonie. Je remercie chaleureusement notre ami CAM et son président, la Jurisette Verchère, pour toutes les actions menées pour améliorer la vie du centre, pour veiller aux actions de soutien et aussi, et c'est très important, pour assurer le lien avec nos vétérans. Alors à cette occasion, je remercie l'ensemble du personnel du centre de secours de Saint-Maximin qui a toujours répondu présent.
pour assurer, en plus de la garde journalière, et bien le dispositif préventif. Les relèves, les feux, les renforts, et également lorsque la situation est exigée, en cas de forte sollicitation, le renforcement de la caserne. Donc tout cet ensemble témoigne du dévouement et du sens des valeurs que vous accordez à votre activité. Je ne remercie les jamais assez, les chefs de centre successifs de cette caserne, d'entretenir cette unité et cette cohésion avec la municipalité. Votre amitié est précieuse. Un grand honneur de m'adresser à vous qui soulagez tant de détresse. Avec désintéressement et humilité, vous sauvez des vies, vous garantissez notre sécurité, vous donnez votre temps aux autres et vous agissez pour le bien commun. J'ai une pensée très affectueuse pour vos familles qui doivent être fières de ce que vous accomplissez, mais qui sont amenées à vivre dans une légitime angoisse. Je veux que vous sachiez combien ma confiance en vous est grande. Je crois que vous savez que vous me trouverez toujours à vos côtés pour accomplir vos missions. Merci à vous tous et bonne fête de Sainte-Barbe.